Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sous Chanel, parlez Haïti. Eh bien, si on a le plaisir, on a l'occasion, et pour moi, tourner encore sur la plateforme, non? Avec une autre nouvelle pour te battre en détail. Je salue tout le monde qui branche, qui attend, qui regarde Chanel, parlez Haïti. Le dimanche 16 mai 2021. Et que papa, bon Dieu, béni nous, fait route pour nous passer avec nous. Merci en pile avec tous tes fanatiques inconditionnels, parlez Haïti, qui toujours partagent chaque vidéo pour nous. Et amis qui toujours like, commenter. Si là, vous qui toujours fait opinion au passé dans chaque vidéo, merci en pile, que papa bon Dieu continue de bénir nous. Merci parce que vous ouvrez pour tout, et vous attendez chaîne Parler Haïti, ou bas nos espaces, vous confiez nous, et nous confiez dans tout. Merci en pile parce que vous, et prenez chaîne Parler Haïti pour chaîne préférée, ou bas toute information qui a passé dans la République. Merci en pile. On allez, un crime qui fait Haïti, madame, monsieur, un crime, ça, triste en pile. On allez. Zoom, ça passe dans Marin 42. Gaston, c'est non, yon élément qui tatouye avec plusieurs coups de couteau, yon fille li avec, parce que li gen l'autre nèg sous lit. Et ça? Gaston, si un jeune garçon, madame, messieurs, le Gaston qui gen 42 l'année, si on braille, et pas jeune garçon, non? Oh, 42 l'année, monsieur. Oh. Bon, monsieur touye madame ni avec plusieurs coups de couteau, après, monsieur fin. Gen information, madame nan gen l'autre nèg sou li. Eh bien, élément sa ke le Gaston, madame messieurs, li touye avec plusieurs coups de couteau, yon fili avèl parce que li gen l'autre nèg sou li. Et nous gen pile photo vre ba nou côté dame nan gen pile coup de couteau, mak couteau sou li. Tout corps dame nan se coup de couteau, se konn se grage moun k'ap fè grage, tout corps se coup de couteau. Eh bien, comme le juge de paix n'a pas encore arrivé pour le virer sous le dos, nous pas vraiment mesi pour nous dire qui j'en fasse lié, mais sous le dos, les mouilles, les couchés, qui veut dire les bails face li à terre, et bien, le dos, là, plein coup de couteau, et là-bas, en pile sang, et bien, incident ça, madame, messieurs, regrettable, ça qui arrive dans Marin 42, en face lycée, si bien. Quel que soit sacrifice offert pour le monde, ça va avoir le droit pour retirer la ville avec violence sous le monde comme ça, messieurs. Ce n'est pas fait sens. N'a pas souligné dans le moment, information arrivée, joindre nous, nous chaîne parler Haïti. J'ai des pas de arriver dans le local là. Le monde qui t'a fait Zaxi là. Y a un dossier, madame, messieurs, qui a continué. Et ça me dit, nous, messieurs. L'île est temps pour femme suspendre victime. Et depuis une femme tout qu'on est son champ pour le criminel qui avec ou pas avec criminel parce que c'est des femmes nèg a toujours malgré nèg a menacé nèg a joué nèg a ba pression battre pas jamais faire rien comprend 21e siècle on va quitter un monde a touyer nous on ça c'est ouais nous pas bon ah lâchez moi coup baité et gon bagaille tout gon bagaille qui le avec un monde faut pas supposer a trahir monde sous pas capable avec nous mesdames messieurs tout. Si vous n'êtes pas capable de avec nous, surtout pas avec nous, même quand vous avez pile temps marié avec nous, vous n'êtes pas capable de vous pour lui, vous n'êtes pas capable de continuer. Au lieu de trahir nous, dis-moi, cher, nous ne sommes pas capable de continuer. Et décision pas ou était décision pas ou, lâchez-moi un coup de terre. Et avec un monde, nous marier, mettez un bloc de bagage dans la tête, ou trahir, à la pour l'autre monde sous lui, ça c'est un map de trahison. Si on a un crime lié, vous voyez, crime. Pas faire ça, pas faire ça. Qui veut dire ou avec mon nom, ou sont pas capable, pas gagner l'amour, racher mon yoko baïté. De même pour garçon, de même pour femme. Mais ou même qui garçon, les bagages ça au fait, mon nom était avec mon nom pour on l'autre monde sous. Retirez quoi? Pas supposé détruire la vie mon nom pour ça, il va faire sens, non. Et quel que soit mec qui fait un crime comme ça, il est supposé prendre nous sous place publique. Parce qu'on va pas bailler la vie, pour qui ça détruit la vie? Qui ça ou y est? Hein, pour appuyer un l'autre, qui ça ouye? Moun nan trahi ou zanmim, m'te la m'bala encore. Sou te marié avec moun nan chache, al fon divorce ou fini. Et puis, gonse de moun kap fè krim tout yo pa gi preuve. Par exemple, gen moun ki mou innocent. Gen fom la nèg la fè abal charge pour te dire avec moun, plutôt li pa jam gen preuve yon jou, kote li te barre madame ni avec yon moun non. La de li monte avec le couteau, le craser avec le couteau. Mais faut qu'on ait preuve. Qui preuve vous gagnez? La trahi ou vous? Mais bagay ça faut que nous analysions avant de faire crime ça. Parce que bagay ça est choquant. Nous ne pouvons pas tolérer la qualité crime ça dans le pays à 21e siècle. Nous ne pouvons pas supposer faire comme ça.
À ces dames là, on va garder l'argent et criminel là, saccager là-bas coup de couteau, toutes deux dames là, plein coup de couteau, li pas fait sens. Non, li pas fait sens. N'a pas dit non avec violence sous femme. Violence sous femme, li pas, ça va supposer répéter dans la communauté à trop pour souffrir. Mesdames, souffrir trop, li pas bon. Et mesdames, gardez côté, n'a pas mis pied nous. Et entrer dans une relation avec un monde, supposer garder ça, je connais qui est-ce pour nier. Parce que la vie est plus importante. Ok, la vie ou plus important. Sachez qu'on qui est pour nous. Et tout, bon bah, pour nous connaître tout, mesdames, loi avec un monde, pas trahir mon nom. Si vous n'êtes pas capable de faire l'homme pour nous encore, ou senti que la vaca marche, vous avez quitté mon nom et puis faire tout. Lorsque vous quittez mon nom, tout le bagage est fini, laissez-vous calmer pour l'autre nègre. Trahir un monde, c'est plus gros poison capable de faire. Il va faire sens. Et, il y a un premier ministre AIA, Claude Joseph, je parle de premier ministre pour un petit bout de temps, docteur Claude Joseph, qui parlait des questions référendum, constitution. Et, monsieur fait comprendre tout, et, en pile militant opposition, barré à gauche, à droite, vous parlez quitter réunion, référendum, vous faites dans le pays. Eh bien, nous prenons le temps de madame, messieurs, et, premier ministre pour un petit bout de temps, docteur Claude Joseph, qui parlait. On va le dire ensemble, abonnez-vous à la salle pour un petit chaise bachita, entendez. Et premier ministre pour un petit bout de temps, Claude Joseph. Ou sous chaîne Parler Haïti, madame, messieurs, partagez, abonnez, n'a pas tourné. Voilà. D'abord, saluer Saint-Président Boniface Alexandre, qui joue le rôle de président du comité consultatif indépendant, avec tout le monde. On salue tout le ministre qui est là. On salue tout invité. Qui l'a également, chef cabinet. Alors, et nous les féliciter, songer dans une émission qui est très, très écoutée dans la capitale là, de comparer courage président Jovenel Moïse dans souci pour lui permettre que nous gagnions une nouvelle constitution. Dans le pays, je compare courage avec courage Charles de Gaulle, qui était également, je vais faire une autre comparaison, je dis, avec un membre qui, dans le comité consultatif indépendant, nous cédé Michel Debré, pour le monde qui connaît l'histoire constitutionnelle de la France, particulièrement l'histoire constitutionnelle de la Ve République. Expérience ça, on a fait là son expérience assez démocratique. Alors, comme dit tout le monde que Haïti pas un novice dans la question ça. D'abord, il est important pour nous connaître que nous c'est le troisième pays qui a adopté une constitution moderne. Après les États-Unis, la France, les États-Unis et Haïti. Une constitution moderne. Alors, comme dit donc que si référendum là, t'a permettre que nous doter pays de une nouvelle constitution, ça fait nous 23e constitution. Il y a des monde qui parlait de 24e si on t'a prend en considération constitution 1801 de Toussaint Louverture. Donc nous avons une histoire constitutionnelle riche. Nous avons une histoire de débat démocratique et autour de changement ou bien modification et constitution. Donc après constitution 1801 nous connaît mise en contexte historique rapide, c'était la constitution de 1805 de Dessalines. Alors, une particularité dans la constitution, ça, parce que les Dessalines, papa nation, ont commencé à gouverner, ils ont commencé à gouverner avec un ensemble d'ordonnances, ça a voulu arrêter des prélois, mais pas pour une constitution. C'est la constitution hein, qui va le faire, la constitution de 1805, 20 mai, si je ne me rappelle pas, qui va prendre toute loi ça pour gagner une constitution faite. C'est soit capable d'une espèce d'antériorité juridique. Parce qu'en principe, c'est la constitution qui va naissance à la loi. Donc, c'est une particularité et c'est extrêmement intéressant. Après la mort et Papa Nation, nous connaissons, nous allons faire l'autre expérience assez intéressante. Avec des tribuns, et pour nous gagner une nouvelle constitution, c'est la constitution 1806. Avec des hommes qui étudient en France, qui vont faire des débats pour Télémaque, comme citer ça seulement. Mais on connaît qui ça va passer dans la constitution. Ça. Parce que structure électorale t'a permettre que, en principe, une constitution qui était allée vers Saint-Christophe Tévelier à lui-même,
une constitution qui permette que le gouverner Jean Litadouye. Mais il y a un changement à la dernière minute pour un autre colonel. Christophe obligé de trancher dans le nord. Négloissio, Pétion Rigo fait constitution 1906. Ça qui c'est une république qui consacrée en république. Alors que Christophe va faire constitution 1907 là, le pays va le diviser en deux. Alors, constitution 1806 là, en particulier, qui est importante pour nous garder par rapport à constitution 1987 là, parce que constitution ça, il y a 200 articles consacrés essentiellement à Sénat. Pas oublier que c'est constitution qui, lui-même, est consacré au Parlement monocaméral. Sans Sénat et sans article ça, il y a tellement de pouvoir qui fait que Christophe déjà connaît que s'il vient gouverner sous constitution 1806, il va un grand caporal, c'est ça qu'il campé dans le Nord. Constitution 1806, ça, Pétion, par le président, pas oublier non, 9 mars 1807, pour l'obliger avec refus Christophe pour gouverner le pays. Mais Pétion, qui était artisan de la constitution, ça, pas qu'à gouverner sous lui. Il pour violer la constitution ça à plusieurs reprises. Absolue remontrance, sénateur, à plusieurs reprises. Pétion Papka Kembe, li pral fait tête li a vie, et finalement, nous pral gagner un autre changement qui est extrêmement intéressant. C'est en 1816. Donc, une nouvelle constitution, avec Pétion, bien sûr, qui va mourir 2 ans après, mais constitution ça, li pral consacrer un parlement bicaméral. C'est la première expérience de bicaméralisme que nous pral faire, qui pral durer un siècle, évidemment, avec un pile vicissitude. Montée des sons, changement, comment Sénat élu, etc. Donc, constitution ça, de 1816, la durée jusqu'à 1918 avec l'occupation américaine, qui va consacrer lui-même au Conseil d'État pour jouer le rôle d'un Parlement monocaméral. Alors, débat était intéressant en 1806, il est intéressant en 1843. Pourquoi ça me parle de 1843, c'est parce que on va gagner un débat qui va sortir, une constitution qui va sortir du manifeste de Poilin, qui est mon le Poisselin, et débat ça, mettez en face des tribuns également. La constitution 1843, c'est une constitution plus libérale que le pays a déconné. Malheureusement, subterfuge politique, magouille, pour faire constitution, ça c'est une constitution monnée, ça nous peut connaître. Donc, pour une fois, nous allons retourner en constitution de Guéni déjà 1816, avant de passer à la constitution 1846, etc. Dans l'histoire du 19e siècle, il y a deux constitutions qui sont extrêmement importantes. C'est la constitution 1843 qui est une constitution moronée et la constitution de 1867. Alors, constitution 1806, 1843, 1867, que Salnave gouvernait sous l'île, il va chercher son gil avec l'acte du tout pour le décarreter président, effectivement. Constitution va aller à partir de conflits qui existaient entre deux grands partis que nous avons initié dans le pays, les libéraux et les nationaux. Constitution va aller. Donc, on est histoire Constitution ça. Baselet, comment elle finit, dans Tigouave avec Constitution même, surtout un catéchisme. Les mourir, on va gagner de débats vraiment forts. Hein, et avec Constitution, dans le Parlement qui effectivement. Vient créer un impasse politique, deux présidents obligés de démissionner parce que la constitution ça, tellement lui-même tout est en pile pouvoir, et il y a une utilisation abusive de pouvoir parlementaire. Nous avons pas une constitution qui a traversé deux siècles. Là, il a commencé dans la fin du 19e siècle, là, c'est la constitution 1889. Là. Il a traversé deux siècles, il a arrivé jusqu'à commencement. Bien sûr, 20e siècle, bon, particulièrement à partir de l'occupation américaine, nous ne pas bien l'emporter. Ça qui est extrêmement important, c'est l'exercice démocratique qui toujours est capable de dire dans le débat et changement de constitution. Il y a une constitution obligée de changer à coup de fusil, mais il y a une constitution qui change avec un pile débat parce qu'il y a des gens qui comprennent l'importance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que chaque fois, gagner nécessité pour ça, constitution va changer. Mais bon, l'autre paramètre qui est important, et m'a comparé avec l'exercice que nous avons fait là aujourd'hui.
président Jovenel qui t'a expliqué l'histoire ça, il dit que lui-même, contrairement à ce qu'un monde pensait, il n'a pas fait une constitution pour lui rester sous pouvoir, c'est-à-dire pour lui aller à l'élection encore. Parce que le connaissait ça, ça l'a cherché à faire, ou comment ça l'a fini. Il connaissait ça, Elie Lescot a cherché à faire, ou est-ce que ça passait avec Elie Lescot. Il connaissait ça, Dumas s'est estimé, t'as cherché à faire, nous voyons comment Dumas s'est estimé, définit tout. Il connaissait ça, ma gloire, t'as cherché à faire. Nous voyons, il s'est passé, ma gloire. Donc, en aucun cas, président Jovenel Moïse, pas derrière un projet constitution pour renouveler tête li, lui-même, ce pouvoir. Ce n'est pas le cas, parce que je me suis rencontré avec un sociologue avant-hier qui dit qu'il y a un non-dit qui soit dans la communauté internationale, un débat qui a fait sur lui, ou bien et auprès d'acteurs politiques. Non-dit ça, c'est que mais son constitution président Jovenel a cherché pousser pour lui-même qu'un candidat à la présidence dans l'élection qui a venu là. Il était utilisé plateforme ça pour me dire c'est faux, c'est archi faux. Pas rien ça. Maintenant, l'autre question qui pose, et ministre Mathias se fait on s'est passé sur ça tout à l'heure, pour qui ça nous pas attendre 51e législature là, pour nous initier changement de constitution au bon moment. Alors ça, c'est une opportunité unique que nous avons là jeudi. Il est important pour nous toujours exploiter l'opportunité dans le cadre de crise, parce que chaque crise porte une opportunité. En 1958, en France, avec grève étudiant, problème en Algérie, où tu as gagné un Charles de Gaulle, que donc on est le plus illustre des Français, tu as assez de courage pour le dire, il faut nous sortir dans l'instabilité chronique, ça que la Constitution 4e République l'a créée, il faut nous passer dans la 5e République. Là. Charles de Gaulle, Michel Debré, pour me citer ça seulement, tu es initié. Imaginons de mai 1958, 4 octobre 1958, il y a une nouvelle Constitution. Et c'est la Constitution ça qui est en vigueur en France. Qui, si nous voulons, rationaliser totalement pratique parlementaire. Parce que nous connaissons qu'un parlement, c'est un parlement, ce 4e République, c'est un parlement de mangeurs de gouvernement, c'est comme ça. Il y a une histoire pareille aux États-Unis. Le monde qui a fait la constitution en 1787 aux États-Unis, il n'y a pas de prévoir que la Cour suprême n'a pas joué un rôle qui relève en anglais, relève de judicial review, ou bien français, relève le contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire, garder loi en fonction des constitutions. Cour suprême n'a pas de rôle à vous le jouer. C'est un problème, c'est une crise qui va le poser. Les Jefferson va le prendre pouvoir. John Adams, qui est le deuxième président des États-Unis, Jefferson va le prendre pouvoir. Et puis, n'a souhait, monsieur fait un paquet de nominations des juges, c'est ça, vous voulez, de Midnight Judges, les juges de minuit, tu es créé par ça. Et puis, les Jefferson Monté, lui ordonné ministre des Affaires étrangères pour ne pas faire nomination ça. Mais, il y a un qui est Marbury, lui-même, il y a une nomination là-même, il dit non, ça ne va pas passer comme ça. Faut moi nommer. Et puis, monsieur, contacté la Cour suprême, il dit il faut nous faire une injonction de faire pour nous nommer. John et Chief of Justice qui est le Marshall, lui-même, c'est lui qui a fait ça. Eh bien, dans l'occasion de crise, ma paix, épargnez-nous de toute histoire, dans l'occasion de crise, Cour suprême, tout by tête li, avec un arrêt, un pigou arrêt aux États-Unis, en 1803-1804, by tête li, mission ça, comme contrôle de constitutionnalité ou bien de rôle pour faire judicial review. Dans chaque crise, gagne une opportunité. Je dis à, il va sans savoir que nous avons traversé une crise. Mais l'opportunité que nous avons jouer là-dedans, ou bien exploiter là-dedans, c'est changer la constitution. Pas oublier, ce n'est pas amender, non, amender la constitution, c'est tout simplement une nouvelle constitution. Parce que si c'était amender,
nous n'avons pas de provision légale pour nous faire. Le peuple là, le souverain, il a décidé, Jean-Président Boniface, tout à l'heure, à qui moment il voulait changer la constitution parce qu'il pensait que le mode de gouvernance là, il laissait à désirer. Donc, travail ça, comité consultatif indépendant à faire. Travail ça, ministre Mathias Pierre à faire auprès du parti politique. Travail ça, ministre Guy François à faire, c'est du travail qui est extrêmement important pour la démocratie et pour le pays. Ce n'est pas pour le gouvernement. Ce n'est pas pour le président Jovenel Moïse. Parce que cette démarche est désintéressée. Parce que le président... Voilà, merci tout le monde. Et c'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir.